Salut tout le monde, ici Patrick Côté, le vétéran de l'UFC. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous parler avec un des hommes les plus dangereux de la planète, probablement lui qui possède le plus de puissance également, Monsieur Francis Ngannou. Comment ça va? Salut Patrick, ça va bien toi? Ça va très très bien, merci. Avant de parler de ton prochain combat qui est samedi, un combat extrêmement important, j'aimerais revenir un petit peu sur l'année dernière, 2020. Ça a été pas une bonne année pour la santé, mais une bonne année pour les arts martiaux mixtes en France. Maintenant, c'est légal en France. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça fait pour toi que les arts martiaux mixtes soient finalement légalisés en France? Pour chaque combattant des arts martiaux, que ce soit en France ou partout dans le monde, ce fut une bonne nouvelle de montrer l'agrandissement du MMA partout dans le monde, voilà, qui prend position au-dessus des autres sports et bien notamment dans un pays comme la France qui s'est longtemps opposé à ça. Je pense que c'était, voilà, c'était une grande nouvelle pour la communauté du MMA et encore pour nous les pratiquants des MMA français. C'était une nouvelle plutôt extraordinaire parce que c'était quelque chose qui était difficile à espérer, surtout pas en 2021, surtout pas en 2020. Mais finalement, ça s'est passé et c'était un plaisir, quoi. Est-ce que tu es un petit peu encore en connexion avec l'agrandissement des arts martiaux mixtes en France, avec les nouveaux talents, les nouveaux gymnases qui peuvent surgir à gauche, à droite, là-bas? Oui, j'ai des amis en France. Je suis toujours en contact avec des amis là-bas. Oui, et je suis l'actualité, bien entendu, pour tout ce qui concerne le MMA. J'essaie de suivre ça de près. Tu es natif du Cameroun, mais tu es longtemps entraîné en France. Et qu'est-ce que ça ferait pour toi? Qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'être sur un combat principal à Paris, admettons? Ce serait un honneur parce que je me rappelle une fois quand je suis arrivé à Paris et je dormais encore dans le parking. Chaque matin, j'allais dans le parc de Bercy pour me brosser la dent parce que je n'avais pas de l'eau. Il fallait trouver un endroit avec du robinet. Et c'est comme ça que j'allais dans le parc de Bercy quelques fois parce que c'était un peu plus loin. J'avais un autre parc plus proche. Mais vu que c'était plus beau et que je passais mes journées là-bas de temps en temps, j'étais libre, je n'avais rien à faire. Alors, je regardais un peu d'un clin d'œil le parc de Bercy Arena. Et je me disais, waouh, les gens performent souvent ici. Et il fut même un jour où Johnny Hallyday était en concert là-bas. Et moi, mon rêve en ce jour, c'était juste d'entrer, voilà, pour participer à un concert. Et même si ce n'est pas pour être la vedette de la soirée, juste pour participer au concert. Maintenant, là, on est en train de parler, quelques années plus tard, on est en train de parler d'un scénario où je serais peut-être l'acteur principal de la soirée ou l'un des acteurs principaux de la soirée. Bah, je pense que c'est juste un truc énorme. C'est immense. Ton histoire est assez incroyable. Ceux qui ne la connaissent pas, j'invite à se documenter sur ton parcours de vie, premièrement, et ton parcours dans les arts martiaux mixtes. Ton premier combat, quand même, remonte en 2015. Ça ne fait pas longtemps à l'UFC, je parle. Et ton évolution a été très, très rapide. À quoi tu trouves que ça a avancé très rapidement? Pourquoi ça a été si vite dans ton cheminement? Bon, je pense que mon cheminement, déjà, c'est un peu appuyé sur, je vais dire, ma détermination, mon acharnement. Mais d'un autre côté, je pense que voilà, j'étais un peu prédisposé déjà pour ce sport parce que j'avais des atouts qui n'étaient plus avanté, tu vois, parce généralement, quand des gens commencent certains sports, surtout un sport physique, on se base pour un premier temps sur la préparation, comment les préparer, les structures musculaires, cette endurance. Et ça, sont des étapes que j'ai quasiment sautées. Je n'ai pas eu besoin de ça. Et ces paramètres, et en plus du fait que j'étais déterminé, j'étais affamé, j'avais besoin d'un endroit, d'une identité, d'un boulot, voilà, et c'était ma chance, voilà, et il était donc question
d'exploiter ça, cette opportunité au maximum et de ne laisser la place à aucune erreur. Bon. Parlons maintenant du combat de samedi soir, un combat très important pour toi pour deux raisons. Évidemment, c'est un combat au championnat du monde, mais c'est également ton combat revanche face à Stipe Miocic qui s'était passé en 2020. En quoi on peut s'attendre sur un changement de ta stratégie? Parce que quand même, tu es sur 4 victoires consécutives, 4 KO au premier round. Je regarde tes combats, ils n'ont pas été très, très longs. Donc, est-ce que tu penses que le manque de minutes que tu as passé dans l'octogone pourrait jouer contre toi ou ta puissance va toujours être un atout que tu penses qui peut te sauver? Non, je pense que le fait de passer moins de temps dans l'octogone, ça, d'un autre côté, c'est bien parce que voilà, tu te préserves de toute blessure et de tout autre damage. Mais plus essentiel, mais de l'autre côté, ce qui est négatif sur ça, c'est que voilà, tu n'acquiers pas aussi vite cette expérience qui s'acquiert dans la durée. Ce qui, pour moi, je peux dire, heureusement, je l'ai eu en 2018 dans mon précédent combat contre Stipe, évidemment, qui, pour ma première fois, je suis allé au 5 rounds. Donc, ça fait que je me prépare éventuellement en sachant que ça peut être difficile. Ça peut aller où le dernier est allé, tu vois. Même si je souhaiterais abréger le combat, mais ça peut aller plus loin. Et surtout face à un adversaire coriace comme Stipe. Donc, oui, ça a un avantage et un inconvénient. Mais je suis quand même fier de ça. Je suis quand même content de ça, que je puisse avoir cet atout dans mon sac, tu vois. Absolument. Il n'y a pas grand monde qui veut rester debout avec toi parce que tout le monde a peur de ta puissance et avec raison. Et au dernier combat, Stipe a utilisé beaucoup plus la lutte que vouloir échanger coup pour coup. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une de ses stratégies encore une fois? Ah, justement, là, il n'y a pas de doute, mais faut aussi rappeler que Stipe, c'est un combattant très intelligent et qu'il peut mettre en place certains ruses. Parce qu'il sait qu'on s'est rencontré la première fois et que pour la deuxième fois, je vais me préparer en conséquence. Mais pour ça, il peut, histoire de me contrer, apporter un autre atout. Ce qui reste à savoir, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans sa poche, tu vois. Donc, il y a plusieurs paramètres. Donc, tu ne t'acharnes pas juste sur le dernier combat. Parce que pendant que toi, de ton côté, tu travailles pour évoluer en termes de stratégie, en termes d'expérience, il fait pareil de son côté. Il étudie, il analyse. Donc, ouais, c'est pas aussi simple que ça. Parlant d'entraînement, j'aimerais ça justement que tu me parles de ton équipe, avec qui tu t'es entraîné et sur quoi vous êtes vraiment concentré pour approcher ce combat-là. Nous nous sommes concentrés sur tout. Voilà. Il n'y a pas une particularité où on dit, ouais, on s'est concentré sur telle chose. On s'est concentré sur tout. Parce que chaque arme est un atout essentiel pour un combat et surtout pour ce combat. Ce n'est pas parce que la dernière fois, j'ai eu des lacunes en lutte que pour cette fois, je vais me concentrer en lutte et négliger la boxe, qui est mon atout principal. Non, ça peut toujours arriver. La preuve, mes 4 derniers combats, ça s'est fini en boxe. Je n'ai pas eu besoin, même si j'ai eu à combattre des lutteurs, je n'ai pas eu besoin à utiliser ces atouts, à mettre en œuvre ces techniques que j'ai passé le temps à apprendre ces derniers temps. Et ça me satisfait, ça ne m'empêche pas d'apprendre. Et en même temps, je continue à gagner mes combats, je suis satisfait. Maintenant, pour ce qui est de mon équipe, j'ai une équipe depuis un certain temps, presque 2 ans maintenant, je travaille avec Eric Nixik, Dewey Cooper, du côté de Extreme Couture. Voilà, on essaye de créer un camp, de faire venir parfois des gens qu'on n'en a pas, qu'on trouve ailleurs pour être partenaire d'entraînement. Francis, qu'est-ce qui va se passer samedi soir? Et justement, et en parlant de mon équipe, il y a Ousmane Camaro aussi dans mon équipe. Il va dans ton coin également. Il va t'accompagner dans le combat. Oui, ouais. Pour la deuxième fois, il va m'accompagner. Exact. Et ça, est-ce que ça te donne une motivation de plus d'avoir un champion dans ton coin comme ça?
Ouais, une motivation. Et le truc, ce n'est pas juste d'avoir un champion, mais c'est aussi d'avoir quelqu'un à qui vous tenez l'un à l'autre, quelqu'un avec qui tu considères un peu comme la famille, comme ton frère, parce que c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et dans ces moments difficiles où la pression, elle est forte, c'est toujours très important d'avoir une personne avec qui c'est toujours très important d'avoir une personne auquel vous êtes très proche comme ça pour le soutien mental, émotionnel et tout ça. Et sans parler de son expérience professionnelle et surtout du côté de la lutte. Voilà, donc c'est plusieurs paramètres. Alors, je reprends ma question. Qu'est-ce qui va se passer samedi soir, Francis? Je vais devenir champion. C'est J'ai très hâte de le voir plus ça. important. J'ai très hâte de voir ça. Je suis personnellement un très grand fan de toi. J'ai très hâte de te revoir dans l'octogone et je te souhaite de tout mon cœur de repartir avec la ceinture. Merci Patrick, c'était un plaisir.